Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu. Je suis à Paris, là, je rentre à Lille ce soir et hier sur Snapchat j'ai demandé si quelqu'un avait des places pour Riles et là une âme charitable est tombée du ciel et m'a proposé une place gratuitement parce que son pote l'a abandonné pour y aller. Et du coup il m'a dit non mais t'inquiète, viens avec moi machin. Au début je vous avoue j'avais un peu peur parce que c'était un inconnu, il avait masse d'abonnés sur Twitter, je me dis mais qui c'est. Et au final on va y aller et on verra bien. Donc trop hâte et en même temps un peu peur, mais ça va être très cool je pense. En tous les cas il y aura Riles donc ça va être ouf. Et je vais kiffer sachant que j'y vais aussi à Paris. J'ai trop hâte. Là je me dirige vers République à Paris du coup. J'ai un rendez-vous avec une marque, on va au Season, ma passion, donc trop bien. Je ne vais pas vous faire mon programme, vous allez voir tout ça en me suivant, donc c'est parti. Paris c'est bien mais je suis toujours en retard. À tous mes rendez-vous, je sais pas comment je fais. J'ai l'impression que dans ce vlog vous allez jamais m'entendre. Je suis en retard, j'avais rendez-vous à 10h, je me dépêche. On adore. Au Season ils font des pancakes de ouf, des jus trop bons. Et apparemment là ils ont sorti des nouveaux tons, on devait y aller avec Ashley, on n'a pas encore eu le temps. Donc là trop bien. Après je pense que je resterai un petit peu travailler là-bas mais j'ai oublié des écouteurs. Et vu que je veux monter ma vidéo c'est un peu compliqué. Je vais faire chier tout le monde quoi en gros. Ça y est j'y suis, c'est juste là, c'est beaucoup trop beau. Ah non, les gens ils passent, ça fait pas beau. Merci. C'est une nouvelle caméra, je galère un petit peu. J'ai pris des pancakes, j'étais obligée. Merci. J'ai fini mon rendez-vous, c'était très sympa. J'ai été au Season, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai l'adresse parce que c'est vraiment trop trop bon. Il y a des pancakes, une tuerie, des tartines avocat, une dinguerie, des smoothies de ouf, enfin bref, c'est vraiment super bon. Là je me suis posée, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je crois que je vais aller à la Fnac pour récupérer mes places pour Riles pour jeudi, puisque j'y vais jeudi 9 novembre avec Ashley à Paris au Bataclan. Donc voilà, c'est trop bien et je ne les ai toujours pas récupérées, donc je vais faire ça. Là j'attends la réponse du gars de Twitter pour les places ce soir. J'espère qu'il m'aura pas fait une fausse joie, mais voilà. Bon, on va aller à la Fnac, je vais me motiver. La fille avec qui j'étais en rendez-vous juste avant, elle m'a dit oui, la Fnac c'est pas loin, c'est là-bas. Les gens, quand ils disent pas loin à Paris, il faut marcher au moins 20 minutes. Moi, pas loin, c'est 3 minutes. On n'a vraiment pas la même vision des choses niveau distance, les Parisiens et les provinciaux, comme ils appellent ça. Enfin bref, voilà, on y va. Au final, changement de programme, je vais aller chercher ma carte bleue d'abord. Enfin, en fait, j'ai oublié mon code, je sais pas comment j'ai pu faire, mais voilà. Du coup, j'ai bloqué ma carte, donc je vais aller chercher de l'espèce en banque directement. Et après, j'irai à la Fnac. Voilà, super intéressant, on adore. Les gens me regardent trop bizarre avec ma caméra, mais je m'en bats les couilles. Il y a intérêt que ce soit ouvert, parce que sinon, je peux partir d'argent. Bonjour. Ce serait pour retirer de l'argent, s'il vous plaît. Oui. Mon code est bloqué. D'accord. Donc je peux pas utiliser ma carte. Vous êtes client Île-de-France? Non. Vous êtes d'une autre caisse? Oui, je suis du Nord. D'accord, est-ce que vous avez votre chéquier? J'ai pas le chéquier. Ah, du coup là ça va être compliqué. La seule chose qu'on puisse faire pour vous, c'est une mise à disposition. Donc c'est 48 heures de délai. Faut que votre agence nous donne l'accord. Donc nous, moi, si vous voulez, je peux vous passer notre code banque et notre code agence. En fait, c'est parce que j'ai besoin d'argent maintenant. C'est ça. Maintenant, non, on va rien. Même en appelant la banque. Bon, bah, je vais trouver une autre solution. C'est pas grave. Désolée. Merci. Bon courage. Merci. Je viens de sortir de la banque et en fait, vu que c'est pas ma région, ils peuvent pas me prêter d'argent et ma carte ne passe plus et j'ai que 10 euros. Donc je peux ni aller dans un café travailler, ni acheter des écouteurs pour travailler.
ni manger ce midi. Je vais essayer de voir avec ma copine que je dois voir si elle peut pas m'avancer, mais ça me fait chier, j'aime pas ça. Et ensuite j'ai un autre rendez-vous à 13h30. Donc voilà, faut que je survive aujourd'hui avec 10€ à Paris. Sachant que si je prends 3 fois le métro, c'est mort, donc je vais gruger, c'est super. Je vais me taper une amende que je pourrais pas payer. Ça me saoule. Je vais quand même essayer d'aller à la Fnac là du coup pour récupérer ma place. Puisque ça c'est gratuit. Voilà. Au final, pour garder ma thune et pour pas prendre le métro, j'ai décidé de prendre chauffeur privé. Donc la course va me coûter 10 balles, donc bien plus cher. Mais je peux payer en PayPal, donc je garde mes 10€ avec moi précieusement pour tout à l'heure. Voilà, ma vie est géniale. Bonjour, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai rien. De l'autre côté, vous avez plus d'espace. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ce Fnac est beaucoup trop grand, donc je vais me perdre, c'est sûr. T'inquiète pas qu'on marche à Paris. Hein. Même les Fnac, ils sont immenses. J'ai trouvé. C'est quoi ça? J'ai pas ça, moi. J'ai galéré comme jamais à avoir mes places. Ils trouvaient pas mes places. J'ai eu trop peur. Mais ça y est, je l'ai. C'est là-dedans. Regardez qui j'ai rejoint. Bonsoir. Est-ce que vous vous rappelez d'elle? Parce que ça date un petit peu. Barcelone, quand même, c'était loin. Bon, puis après, il y a le beauty tube. Mais... Non, non. On va manger. La chance, ça va comment? On mange ici. Manger avec Lou, c'était très très cool. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos si vous voulez. Elle fait aussi des vidéos et elle a un blog. Là, je vais à un rendez-vous pour parler d'un projet photo, vidéo peut-être, avec un vidéaste sur Paris qui fait aussi des photos. Il a un très joli compte Instagram voyage, donc pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et il va aussi m'apprendre à gérer cet appareil photo puisqu'il a exactement le même que le mien. Donc voilà, il va me donner plein d'astuces et tout, donc ça va être sympa. Bon, je vous retrouve que maintenant et avec une qualité complètement différente puisque je n'ai absolument plus de batterie sur mon appareil photo. J'ai mes places pour Reels, oui, pour ce soir. Elles sont juste là. Et il y a Clémence qui m'accompagne. Coucou! On est trop contentes. Au final, le gars, il avait qu'une place et maintenant il en a deux. Il me les a vendues. Enfin bref, on a payé 40€, mais on s'en fout. On va quand même voir Reels. Je suis immonde. On s'en fout aussi, c'est pas grave. J'ai des moutons partout. C'était une journée forte en organisation, j'étais un peu partout, bref, on s'en fiche. Bonsoir. Donc la partie du concert sera filmée à l'iPhone, désolée d'avance, mais je pense que ça ira niveau qualité. Et voilà, au final je ne serai pas toute seule, même si j'y serais allée toute seule dans tous les cas, c'était pas très grave. J'aurais squatté avec le mec là, on aurait dansé together et tout, mais je pense qu'il avait pas l'air très chaud. Apparemment à l'aéronef il y a déjà pas mal de bordel, les gens se poussent. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de groupies. Je crois que j'en fais un peu partie malheureusement, mais c'est pas grave. Oh bah on va faire Riley. Elle dit Riley, c'est trop drôle. Riley, Riley. Après elle dit Yuda. Yuda Beauty. Yuda Beauty, Riley. Mais je sais pas si on dit Riley ou Riley en fait, mais... Moi les gens ils disent Riley. Ah ouais? Ouais. Moi, bah écoute. Donc on sera pas tout devant cette fois, mais le prochain concert de Riles le 9, je serai tout devant avec Ashley. Il y a un brouille ou quoi? On est plutôt bien placé, on est au deuxième rang, troisième pardon. Il va être beau. Non, c'est pas grave, au pire, je suis pas sûre de mettre du son. Pas. Flash-moi pas comme ça. Comment t'es pris? Bah, forcément. Bah alors, dis donc. Hein. Ça marche pas.
vous, ça fait super plaisir. Faites du bruit pour la famille. Merci beaucoup. Je m'en rappellerai toute ma vie de celle-là. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était incroyable. C'était incroyable. Interview post-concert, c'était comment? Fini. Tellement bien. Au top. T'as sué? J'ai jamais autant su. Mais par contre, c'était génial. Puis on était tout devant au premier rang. Oui. On est immense, je suis. Mais non, vous êtes belle. Et voilà, c'est sur ces belles images que ce vlog se termine. Aujourd'hui, on est le 10 novembre. Donc là, je filme l'outro une semaine après. Mais honnêtement, j'étais vraiment en dépression après le concert. C'était vraiment dingue. Je vous ai pas raconté, donc je vais vous raconter vite fait maintenant. Mais en gros, ce qui s'est passé après le concert, c'est que moi, j'avais tagué sur Instagram le pote Ariles Wassem Wu sur Instagram la première partie. Et en fait, il m'a envoyé un cœur et nous, on était trop déter à sortir, donc on leur a proposé de sortir. Ils nous ont dit oui de base. Enfin, genre ils étaient trop chauds, etc. Sauf que ils ont dû repartir plus tôt. Et donc prendre le bus et repartir. Donc on avait un somme de ouf tellement qu'on a rien fait au final. On est parti se coucher un samedi soir à minuit. On avait trop le somme. Bref, donc c'est pas grave. Après avec Ashley, on y a été donc hier, le jeudi 9 novembre au Bataclan, à Paris. Forcément, on a pensé un petit peu à tout ce qui s'est passé là-bas. Mais Riles a très bien amené la chose pendant le concert en disant que voilà, cette chanson c'était pour faire partir le chétan, comme il a dit... de la salle, etc. Donc après on a oublié et on a profité à fond de la soirée, c'était vraiment dingue aussi. À la fin du concert à Lille, j'ai eu cette magnifique affiche, oui, du Jungle Tour. Voilà, j'étais trop contente, ils ont donné ça à ses potes à la fin du concert, donc plutôt très sympa. Et à Paris, à la fin, ils nous ont donné des t-shirts à ceux qui attendaient depuis pas mal de temps. Donc voilà, on dirait un petit peu un t-shirt du Paris Saint-Germain, mais c'est pas grave, l'intention était là, et en plus ça fait un souvenir de fou, donc trop bien. On a attendu 1h30 sous la pluie devant le Bataclan, on était une quinzaine, on caillait, mais on a eu notre photo, je vous la remettrai un peu mieux ici. Mais voilà, beaucoup trop contente, super souvenir. Super personnalité, une voix de fou. J'avais entendu dire que Riles ne savait pas chanter en live. Sorry, mais vous avez pas d'oreilles, ou alors faut les nettoyer, enfin je sais pas. Enfin voilà. En tout cas, deux super concerts. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog. Il y en aura encore d'autres. Mais voilà, sur ça, soyez sûrs qu'il y aura toujours les vidéos aussi en facecam normal, entre guillemets. Et je commence très bientôt les vlogs déco, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hâte. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Wouhou! Ah, et au fait, j'ai oublié de remercier l'abonné qui nous a fait rentrer plus facilement dans la file au Bataclan et surtout bien plus proche de l'entrée. Donc merci à toi si tu passes par là, merci à toutes les filles que j'ai pu voir aussi à Lille et à Paris. Je vous fais des très gros bisous et sur ce, je vous laisse enfin. Bisous!